Communauté de communes du Savès 32, une terre, un avenir. La communauté de communes du Savès met en place un projet de territoire qui s'appelle le projet Accueillir en différence. Son objectif principal est de garantir un accueil de qualité pour tous. Le projet est à destination des enfants en situation de handicap, mais il inclut aussi les enfants qui ont des besoins spécifiques. Parmi un panel d'outils, on retrouve les maisonnettes du calme ou cabanes des émotions qui sont aménagées pour permettre aux enfants de s'isoler et de se ressourcer quand ils saturent du collectif, mais aussi de créer du lien avec les autres en douceur quand cela est trop compliqué en grand groupe. L'horloge adaptée est un outil de repère pour les petits comme pour les grands. Des ateliers de sensibilisation aux différences sont proposés aux enfants de maternelle et d'élémentaire sur les temps périscolaires. Des réunions de travail sur la thématique de l'inclusion sont mises en place sur chaque structure. Sur chaque ALAE, on retrouve une animatrice ou un animateur référent. Chaque famille d'enfants ayant des besoins spécifiques travaille avec la chargée de projet et les référents de structure sur l'élaboration d'un plan d'accompagnement. L'enfant y est associé quand cela est possible. Je suis représentante des parents d'élèves de l'école de ma fille et lors du conseil de classe de juin 2020, la directrice de l'ALAE m'a présenté le projet Accueillir en différence. J'ai par la suite pu contacter la responsable de projet, Manon Rouxel. Donc, le projet aide pour l'accompagnement de l'enfant au sein des structures scolaires et périscolaires avec les équipes éducatives, mais également pour le suivi et l'accompagnement des familles et par exemple la constitution d'un dossier de MDPH. Donc, je souhaite pérenniser l'accompagnement et le suivi de ma fille pour son bien-être et son développement. Et il est également essentiel de privilégier les échanges avec les familles et les équipes.